Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve encore un petit peu malade, mais ça va de mieux en mieux. Et je vous retrouve pour vous présenter une petite nouveauté que Ardot m'a envoyée pour vous la présenter. Donc, merci beaucoup à Ardot, c'est un magnifique produit. Alors, je ne vous ai pas laissé le suspense parce que ça m'a été livré par Amazon dans un assez gros carton avec l'étiquette avec mon adresse en plein milieu. Donc, j'ai préféré enlever le carton, ça sera plus simple pour la vidéo. Donc, c'est emballé, vous voyez, dans un petit plastique que je vais d'ailleurs tout de suite enlever pour ne pas trop abîmer vos petites oreilles. Donc, c'est une valisette qui fait partie d'une collection des 4 saisons. Donc, je vais vous afficher ici à l'écran les 4 valisettes qu'ils ont sorties. Elles existent en plusieurs tailles. Il me semble que vous avez 60, 120 et je crois qu'elles existent en 240 pots, si je dis pas de bêtises. Je vous invite à aller fouiller sur le site d'Ardot. Je vous remettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos de la boutique et le lien vers le produit que je vais vous présenter. Je vous rappelle que je suis en affiliation avec Ardot, mais il y a un petit changement dans l'air. C'est-à-dire qu'avant, mon code promo que je vais vous afficher en barre d'infos, donc il vous ramenait 10% plus les frais de port offerts. Avec toutes les augmentations qu'on peut avoir ces derniers temps, Ardot n'a pas pu conserver les frais de port offerts, mais ils sont offerts à partir de 25 $ sur leur boutique. Donc en dessous de 25 $, vous aurez 4,99 $ de frais de port. À partir de 25 $, ils vous seront offerts. Et mon code promo marche toujours pour les 10%, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc elle fait partie d'une collection des 4 saisons. La personne avec qui je suis en contact chez Ardot m'a demandé quel produit je préférais. Clairement, c'est le printemps avec ses coloris roses, ses fleurs et ses petits papillons. Donc on va la voir plus en détail. Moi, c'est la 120 pots qu'ils m'ont envoyée. Donc c'est très bien, ça va me permettre de ranger 2 toiles. Donc elle se présente comme ceci, la 120 avec une seule fermeture éclair. On a toujours la poignée, hop, qui sort et qui se rétracte. Voilà. Donc, elle est super belle. Celle-ci, elle est dans les tons de bleu, de rose. Donc, avec les fleurs, avec des papillons un petit peu partout. Je vous montre. On fait le tour. Hein. Elle est vraiment trop, trop belle, cette valisette. Et elles sont de super bonne qualité chez Ardot. Vous avez les petites tirettes qui sont floquées avec leur nom. Donc, on va l'ouvrir. Et on va découvrir ça. Je pense que cet été, je vais troquer mes valisettes noires contre celles-ci, clairement. Alors, on va commencer par ce qui est fourni avec. Parce que quand vous achetez une valisette chez Ardot, vous n'avez pas que la valisette. Et c'est ça qui est bien. Vous avez plein, plein, plein de petites fournitures. Alors là, c'est le petit truc pour l'humidité que vous pouvez enlever. Donc, vous avez tout d'abord une petite fiche comme ceci avec des étiquettes. Donc ça, c'est pour coller directement sur vos pots. Et ça, c'est le top. Vous avez un entonnoir en silicone. Donc c'est un entonnoir dépliable. Hop, voilà. Donc ça, vous mettez dans le pot. Franchement, c'est juste magique. Moi, j'en ai un. J'alterne entre celui-là et celui que j'ai en impression 3D. Donc voilà pour le petit entonnoir. Ensuite, on a un grand sachet zip. Et alors là, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour diamanter. Même plus que ce qui est nécessaire, je dirais. Donc, on a déjà 4 stylets de base hein, avec chaque fois un multiplaceur différent. De ce côté, vous avez les bouts en laiton. Une pince en plastique. Bon, celle-ci, voilà. Vous savez ce que j'en pense de ces pinces. Ensuite, on a 2 barquettes vertes. On a un lot de petits sachets zip, ça c'est toujours pratique. On a un gros, gros, alors 2, 4, 6, 8, 10, on a l'équivalent de 10 carrés de cire. Encore une petite fiche avec des étiquettes. Et là, on a une immense barquette. Celle-là, moi je les adore, j'en fais la collection de ces grosses barquettes, elles sont hyper pratiques. Il y a le bec verseur, ça c'est trop bien, franchement j'adore. Elle est assez profonde, mais pas trop. Elle est vraiment comme j'aime. Et pour couronner le tout, on a la petite raclette. Donc ça, soit pour enlever les plis
sur vos films plastiques, soit pour mettre au bord, pour aligner vos diamants bien droits quand vous commencez une toile. Voilà, moi je trouve ça vraiment extraordinaire, tout ce qui est fourni avec la valisette. C'est vraiment le top parce qu'il ne serait pas obligé de le faire. Ensuite, on va voir plus en détail la valisette. Donc comme toujours, on a le petit filet, hein, on peut glisser ses feuilles de route, ses restes de sachets de diamants. Et donc on a, si je ne dis pas de bêtises, 3, 6, 9, 10, 60 pots et 60 pots. Tout va bien, j'arrive encore à calculer. Donc vous avez la première rangée et puis en dessous vous trouvez la seconde. Donc c'est vraiment très bien fait, hein, comme d'habitude. Elle est vraiment bien parce que c'est vraiment rond, moi j'aime beaucoup ça. Les bouteilles, ce sont les bouteilles de cette taille-là. Et elles sont vraiment très pratiques. Moi, j'adore ces bouteilles. Voilà, à visser. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je vous les ai déjà montrées en long, en large, en travers. Ces bouteilles, c'est vraiment le top du top. Elles sont solides, elles durent dans le temps. Donc voilà, que demander de plus. Vous avez voté pour la Blue Girl de chez Karat Art à commencer. Donc je pense qu'on préparera dans cette valise. Et j'en ai une deuxième de chez Oraloa que je vais également préparer dans cette valise puisque bah, les teintes de la valisette correspondent très bien aux toiles que j'ai envie de commencer. Voilà, donc je vous ai montré la valise du printemps. Je vous raffiche ici donc celle de l'automne plutôt dans les orangés, celle de l'hiver avec des petits ours me semble-t-il. Là je vous fais de mémoire et on a l'été en vert, voilà. Si je ne me suis pas trompée, vous aurez vu ça à l'image. Voilà, donc moi je vous remets le lien vers la boutique Ardot dans la barre d'infos, mon code promo qui vous ramène 10%. Et donc n'hésitez pas à remplir un petit peu votre panier pour passer les 25$. Vous commandez une valisette, normalement c'est bon, vous aurez les frais de port offerts. Donc finalement ça ne change pas grand chose, mais c'est vrai que pour les petits envois, ben, ça leur permet de rentrer dans leurs frais. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. En tout cas, moi, je suis tellement heureuse d'avoir eu cette valisette. Merci encore Ardot de m'avoir permis de vous présenter ça. J'ai hâte de lire vos impressions en commentaire. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà ou ont commandé une autre saison. N'hésitez pas à me le dire. Peut-être que ceux qui n'ont pas encore de valisette vont craquer sur celle-ci comme premier matériel. Franchement, c'est le top du top. Et puis 120 pots, on a largement de quoi faire. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'ici, si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à lever vos petits pouces, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour qu'on puisse remplir ensemble cette magnifique valisette. Moi je vous embrasse, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye !